sceptique, va falloir que je recompte. On va recompter. Aidez-moi à compter. On va compter ensemble. Dora, l'exploratrice, est là pour m'aider à compter. Donc, un à l'intérieur de ça, c'est les pierres rouges qui est à l'intérieur de ça. Par ici, deux, les montagnes pygmées, tout ça. Là-bas, 3, 4. Bonsoir, Ikagura. J'en ai 6, merci, Meumeu. Donc, ça veut dire qu'il m'en manquerait une ici à l'intérieur du niveau. Mais quelle serait-elle? Ça, c'est la question que je me pose. C'est quelle serait-elle et où serait-elle? Parce que là, si ici on monte. Ah, attendez, je pense que je sais. Parce qu'en gros, on peut aller ici. Là, il y avait la carapace, mais ici, je pourrais continuer de monter. Voilà. Ça, c'est que c'est sûrement par ici. Et là, je vous pose la question aussi rapidement comme ça. Si en live... si vous seriez intéressé à avoir du Pokémon en live. Question que je me pose. C'est pas la question. Je me demande si vraiment les gens seraient intéressés à avoir du Pokémon ou non. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Des fois, pas prise de tête les questions. Hein. Des fois, je pose des questions de fou, mais parfois, c'est pas très très compliqué comme ça, si. Voilà, c'était assez simple. Essayer de faire une mini-aventure bien relax, peut-être un randomiseur ou un truc comme ça, qu'on se casse pas la tête et qu'on s'amuse à juste faire un petit peu de la merde et n'importe quoi. Et là, on a les 7 étoiles. Merci, Meumeu, en passant, de dire qu'il y avait 6 étoiles. Ou du moins qu'il me restait 6 étoiles. Ou du moins que j'avais 6 étoiles, plus. Ok, donc là, on a réussi à faire ça. Et là, ça veut dire qu'il me manque juste de se rendre de l'emplacement de l'autre côté, qui est là-bas. Parce qu'en haut du désert, on l'a pas fait. Donc, il va falloir trouver une façon de se rendre de l'autre côté. Et tu peux m'aider, Riglox. Tu peux me dire exactement où est l'emplacement finalement pour. Pas grand fan de Pokémon pour ta part. J'ai dit qu'il y a un emblème qui est assez familier. No shit. C'est le niveau de la grotte, la 2, je crois, pour la Vanish Cap. Ok, bon, on va aller voir le niveau 2. Le niveau 2 de la grotte, niveau 2 de la grotte, niveau 2, c'est ici la grotte, right? On va aller voir ici. Celui-ci, la grotte? Non, ça, c'est le truc enneigé. Mais, tu dis tu crois parce que tu penses que c'est le niveau 2 ou tu sais exactement que c'est la grotte? Ça, c'est deux choses différentes. Parce que ça se peut que tu me dis que tu crois que finalement, c'est pas ça. Mais je pense que c'est au final, c'est que tu crois que c'est le niveau 2. Mais oui, tu parles de ce niveau ici. Oh, oh, oh. Ah, c'est vrai, j'ai le truc de vol aussi, il faut que je fasse. Ok, donc ça serait dans ce niveau-là qu'il y a le truc de la cape. Mais en tant que tel, je sais qu'il y avait le truc de métal qui était dans ce niveau, right? Fait que ça veut dire que la cape serait aussi dans ce niveau? La cape. Pourquoi je dis la cape? Mais la cape, pas la... Moi, je parlais comme d'une cape d'invisibilité, genre une cape et non une cape, comme une casquette. Je sais pas pourquoi je parlais de cape d'invisibilité. Les gars, ils se croient dans Harry Potter. C'est perdu. Fait que tu me confirmes que c'est ce niveau? Si je comprends bien. Hop. Triple jump. Triple jump. Triple jump. Attends, quoi, tu me dis, tu me mets le doute maintenant. Ben, il me semble que celle-là, c'est avec la caissière de métal. Tu rentres à l'intérieur de l'espèce de mini château et tout ça, tu t'en vas à gauche, il y a de la lave, c'est là, bam, bingo, bonjour, tu viens d'avoir la cape. Regarde, je vais même te le montrer, hein. Regarde, on va y aller. On va y aller ensemble. On va se tenir la main. On va se rendre jusque là-bas. Ok, on va y aller ensemble. Regarde. Moi, ce que je pense, c'est que dans ce niveau-là, c'est le truc avec la casquette de métal. Parce qu'en gros, on rentre ici. Mais c'en était sûr, en fait. Connaisseur de Stardust, vous avez remarqué. Mais j'en étais sûr, en fait, plutôt.
Voilà, on va se rendre ici. Paf, bingo, bonjour. Choup. Casquette de métal. Oh. Quelque chose de l'autre côté. On va pas faire ça maintenant, là. C'est pour ça qu'il y avait des trucs de métal de temps en temps, genre avant dans le niveau. Je comprends. Je trouve ça drôle, à chaque fois que j'entends Mario comme crier comme ça, j'ai tout le temps l'impression que comme il y a du plaisir à se faire brûler. Oui, exactement, c'est un remix de la Lava Reef et il y a, je me souviens plus qui a fait un clip. Si tu veux voir sur Twitch, il y a un clip de moi qui chante. Ce soir, c'est génial. Ok, on monte ici, on monte là, hop. De toute façon, là, je vais sûrement perdre ma cassette dans pas trop longtemps, donc tu vas pouvoir re-entendre le remix. Pas trop longtemps. Voilà, maintenant tu vas pas l'entendre. Je vais laisser le temps en attendant que je prenne pas la casquette. Là, je prends la cassette, voilà. La remarque, c'est Peach Memories. Super Mario 64 Peach Memories. Ou plus Peach Memory. Et non Memories, parce qu'elle a juste une mémoire. Elle a pas plusieurs mémoires. Voilà! Donc là, ça veut dire que la Vanish Cap, de qu'est-ce qu'on parlait, elle est clairement dans le monde enneigé. C'est ce que tu es en train de me dire, Hilux. Parce que si on y va avec ta logique, tu me disais que c'était ici, mais là, finalement, c'est pas ici. Le Metal Cap, elle sert à quoi? Ah, pour passer ici. C'est bon, je viens de voir. Vite, passe, nice. Hop. Ouais, je crois que c'est le monde enneigé. Bon, ok, bon, on va aller voir dans le monde enneigé. Hein. Bon, j'ai le temps de couper un petit peu. Pas hyper beaucoup, mais juste un peu pour pouvoir me rendre un petit peu plus loin. J'ai dit grotte car visuellement la Vanish Cap ressemble beaucoup à la grotte, mais c'est sûrement le monde enneigé. Ok. On va voir dans pas trop longtemps. Hein. Du moins, on va y aller maintenant. Parce que là, je suis prêt à dire que j'ai eu toutes les étoiles de bonus. Il doit en avoir 3 à l'intérieur de chaque niveau. Logiquement. On va se rendre à la montagne enneigée. La montagne de neige, montagne enneigée. Mettez les mots que vous voulez. Hein. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Pas trop forcé. Frozen Toad. Ok, donc là, ce serait à l'intérieur d'ici. Il est en train de me dire qu'il y aura un tuyau quelque part qui pourrait me rendre invisible. Maintenant, c'est de le trouver où? Non. Je sais vraiment pas, il serait où en tant que tel. Ah, peut-être j'ai une idée. Est-ce que je suis capable de faire un triple wall jump, genre? Attendez. Non, c'est pas possible. J'aurais tellement pu penser que... que ce soit comme ça, mais finalement non. C'est sûrement ici.
Bonjour petit Todd. Hey, we want to jump down behind you to see the catacomb beyond the castle. A long time ago, a tribe attacked this castle and returned and followed this rather tribe. They didn't know what to do with the countless babies, so they built the catacomb beyond the castle and placed them. Quoi? Ok, bodies. J'avais lu babies. Some guy went down this well recently when this. Ok. Je suis prêt à dire que c'est safe. Je pensais qu'il aurait mis la musique genre du puits dans Zelda quoi. Ow. Ok, la cassette d'invisibilité. Maintenant on va pouvoir traverser. Je trouve ça drôle quand même que. Je trouve ça drôle qu'ils ont mis pour les casquettes, la même musique, sauf pour la casquette de métal qui ont vraiment mis. J'ai tellement fier là-dessus. C'est ça que je trouve ça drôle, que comme la casquette de métal, ils ont vraiment mis un remix à part entière. Tu sais, pourquoi en tant que tel. Pourquoi en tant que tel, la casquette de métal est un remix et les autres non? Tu sais pourquoi elle mérite plus un remix comparé aux autres? Je sais pas trop pourquoi. Ouais, exact, mais pourquoi la casquette de métal a un remix à elle à tout seul, tu sais? Pourquoi plus qu'une autre? J'avoue qu'il est vraiment classe tout ça, mais tu sais, je sais pas. Peut-être qu'ils ont voulu mettre un truc badass parce que c'était cool de mettre une musique spéciale avec la casquette. Excusez-moi encore une fois. Ça rouvre la porte. Là, vu que j'ouvre la porte, il va falloir que je monte ici. Merci de la petite indication de la flèche. Très apprécié. Voilà. Sûrement parce que la musique sonne très légère pour la Metal Cap. Oui.